que nous réservait le 42e salon de l'auto. Peu de révolution. Critère du moindre encombrement pour nos rues encombrées, l'Isetta française sort maintenant en série. Chez Renault, Grand Pavois se manifeste comme le modèle de luxe de la frégate et s'équipe du nouveau moteur étendard. Chez Simca, un modèle nouveau, la ronde 1300, qui présente avec la ligne Océane le nouvel embrayage Simca-matic. Chez Peugeot, la nouvelle production 1956 comporte à côté d'une gamme complète des 203 touristes et utilitaires, la berline 403. Du côté accessoire, de nouveaux progrès ont été accomplis, aussi bien en ce qui concerne l'équipement électrique que l'équipement pneumatique. Pour les voitures de sport, Talbot reprend sa place avec sa 2,5 litres. Tandis que Salmson, avec la barquette, augmente ses performances en s'assurant une vitesse de 200 à l'heure. Les carrossiers français gardent toujours leur classe et leur qualité. Témoin la voiture destinée au président de la République. La 15 chevaux classique a pris là une ligne très moderne et comporte certaines innovations, comme la roue de secours à l'avant du moteur. Aménagement qu'on retrouvera dans la nouvelle Citroën. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales.